Je sais pas, ça te gêne ce que je te dis? C'est désagréable? Non, j'écoute et je veux savoir. En fait, c'était juste la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui me faisait un effet aussi immédiat, quoi. Tu le dis, puis il était en train de m'arracher le cœur, quoi. C'était un truc hyper fou, quoi. J'avais juste surtout envie de savoir ce qu'il en pense. De ça, enfin, si ça le gonfle pas, si ça le déçoit pas. Ça fait que 10 jours que vous connaissez, ça va. J'ose pas arriver chez lui lui faire « tu m'as, mais tu m'as pas ». Mais non, mais tu lui expliques. Bah, tu peux lui expliquer. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut parler. Du coup, 2 jours après, parce que j'aime pas de réponse. Franchement, je préfère non. Au bout de 3 non, je m'arrête, moi. Tu sais, je suis pas un mec insistant. J'ai fait « bah, tu réponds pas ?» Et pas de réponse. Demain, on peut mourir. Toi, tu l'as dit toi-même. Mais si quelqu'un veut que demain je meure et que j'ai pas trouvé la partie, ce sera le choix de la personne qui est en haut de nous. Non, monsieur. Non. Et tu peux pas contredire les choix du destin. Tu peux pas contredire les choix. Mais attends. Tu peux pas contredire les choix. Chacun son destin. Si demain je tombe amoureux. Chacun son destin. Mais toi, tu fais des choix, tu fais pas des choix. J'en fais. Bah, je choisis le bon. Je sais pas, mais j'ai envie d'un enfant. Mais oui, mais tu l'auras. Mais pas maintenant. C'est pas le bon moment. Pour toi. Lâche-toi, chien. Non, mais je fais un effort. C'est pas grave. Tu peux le comprendre, Romain, je suis encore étudiante, j'ai pas encore travaillé, j'ai même pas encore payé des impôts sur le revenu. Je t'ai jamais fait chier là-dessus, mais j'aimerais bien. Mais si un jour c'est plus rien, qu'est-ce que c'est maintenant en fait? Qu'est-ce que le moment qu'on est en train de vivre veut dire? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y ait un absolu, quoi. Shine.